Salut.
se me quita. Ah bah c'est pas la forme. C'est pas la grosse grosse forme. C'est pas la grosse grosse forme. C'est pas la grosse forme. Un peu beaucoup, oui. Un peu beaucoup. C'est pas la pas la joie. C'est pas la joie. Mes parents, ils sont allés aux urgences pour voir s'ils pouvaient pas trouver un médecin qui dise ce qu'il a, ce qu'ils ont. Même le médecin des urgences, ils l'ont dit demain, apparemment, ils vont faire une prise de sang et passer une radio. Parce que même aux urgences, ils comprennent pas pourquoi que mes parents ils tous autant. Je trouve ça totalement irréel, mais bon. Donc ça. Un médecin qui te fait passer une prise de sang et qui te fait passer une radio parce que lui-même ne sait pas pourquoi que dit tous. Ah, c'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. Le mec, il est médecin. Il est pas capable de t'expliquer pourquoi du tout. Alors demain 9h ils vont faire une prise de sang, mais après le sang je vois pas trop en quoi ça va, je vois pas trop à quoi ça va servir quoi, mais bon, je vois. Moi mon médecin traitant, comme ils font grève, bah apparemment monsieur travaille pas. Alors, à la rentrée, c'est-à-dire lundi, mardi même, parce que je crois que lundi, de toute façon, lundi où j'habite, aucun commerce est ouvert, donc je vais faire ça, mardi, hein. Mais non, donc mardi, donc mardi prochain, je vais l'appeler. En espérant que monsieur travaille. C'est pas. En fait, je tousse quand je parle. En fait, moi j'ai tous quand je parle et quand je respire. Voilà. Mes parents, c'est un peu pareil.
il tousse quand il bouge, quand il... Voilà. On a un peu les mêmes symptômes, mais personne ne sait pourquoi. Personne ne sait d'où ça vient, personne ne sait... Apparemment, même les médecins ne savent même pas. Alors... C'est quand même... C'est quand même... Moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Première fois, là, franchement. T'es malade et le médecin qui est pas capable de te dire ce que t'as. Ah, moi, ça me. Ça me. Je sais pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Je sais pas. Ça m'échappe complet. Je comprends pas. Je t'avoue avec là, je... Il y a des choses qui me dépassent, mais là... Oula, merde, t'es con. J'ai pas vu. Ah merde! J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas tilté. Bah bref. Comme ça.
Oui. Sorti, Eh oui, je l'ai sorti, oui. Oui, je l'ai sorti. Oui, je l'ai sorti. Je l'ai sorti. excuse-moi pour tout à l'heure, on était dans la salle d'attente. Il y a tout, mais j'ai une protection. Non, ce qui est possible, c'est que vous avez mieux. Non, c'est pas. Non, mais le principal, c'est que vous avez bu. Non, mais là, tu vas prendre. Quand demain? Bah, quand on aura un rendez-vous. Plus de sang, radio. Continuer le sirop qu'il nous a donné, là. C'est pas le médecin qui nous l'a donné. Là. Mais bon. Je pense que ça va être long. Hein. Selon ce qu'on a, bah. On a un antibiotique ou pas. Puis moi, mon médecin, moi, je vais attendre mardi maintenant, parce que comme on a dit, je travaille pas. Non, mais mardi prochain. Oui, mais je veux dire. Hein. non, mais là, de toute façon, ils. Ouais, mais comme ils sont en grève, de toute façon. Ah, non. Ils sont en grève encore? Ah, bah oui, mais ils sont en grève jusqu'à. Jusqu'au 2. Jusqu'au 2 janvier? Ah, oui. Ah, d'accord. Ah, ouais, mais. On n'a même pas de fièvre. Ah bon? Ouais, on a pris la fièvre, on n'a même pas de fièvre. J'avais 37 ans et ton père
ou 37, on a 37,1, 37,2. Bah, c'est quand même, c'est un petit peu le fait quand même ça. Ah non, c'est pas de la fièvre ça. Ah bon? Oh non, non. Un truc incompréhensible. C'est un truc incompréhensible. D'ailleurs, tu sais que j'ai vu un truc tout à l'heure quand j'ai appelé pour les. Tu sais que tu peux te faire, tu peux te faire soigner maintenant par internet. Alors, tu as un site, tu dis les symptômes que tu as, hop, tu cliques, tac-tac. Après, t'as, comment dire, t'as. Utilise ce coup de temps, hop, tu payes, tu mets ta carte bleue, tu payes, et puis tu reçois. Une ordonnance avec arrête. Il peut même t'envoyer un. Ah oui, mais ça c'est ton conseil. Mais ça c'est plus là. C'est un médecin que tu as devant toi. Ah non, 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 Ah tout non, se même fait. pas. Non, non, tout se fait sur internet. D'accord. Il y a un truc qui se fait sur internet, tu mets ses Un comptes. robot quoi. Ouais, c'est un site quoi, tu mets ses. Mais c'est quoi? Il t'appuie Mais ça. les symptômes que tu as? Et bien, symptômes, t'as angine, grippe, Ouais, machin, d'accord. rhume, Mais ou d'où t'en n'importe quoi. sais? Bah, c'est quand elle se marque aussi, ça. Bah oui, C'est. mais quand tu sors ça, si t'as une grippe ou un rhume ou un Ah, truc. bah. Ça marche comme ça. T'es pas médecin? Non, mais ça marche comme ça. Tu mets symptômes, hop, ça te dit, ça vaut beaucoup de temps, paf, tu payes. Tu payes, tu mets ton numéro de Et carte, t'envoies hop. une ordonnance? Et, il peut Oh t'envoyer bah oui, moi par. je préfère pas trop, hein. Ah, mais. Non mais comment tu sais que tu... Comment tu peux savoir si t'as une angine, une grippe ou quoi? Je sais pas, mais c'est comme ça marche. Et tu mets ça, hop, et puis hop, là. Comme ça, si tu peux pas avoir un médecin, bah tu peux ça par internet. Comme ça, t'as une ordonnance, tu peux même avoir un arrêt maladie, etc. Et tout par internet. Et tout par internet. Ah ouais, d'accord, maintenant on va se faire soigner sans plus rien voir, quoi. Voilà. Sans plus voir personne. Ben. Ça va être les médecins Tout va se faire aveugles. sur internet, Ça va être des robots maintenant qui vont nous. Voilà, c'est des robots. Tu vas t'auto-diagnostiquer. Tu vas t'auto-diagnostiquer toi-même. Du tout, t'as des bouchées, t'as grippe. Voilà, hop. Ah ouais, d'accord. Voilà. Tu Ah ouais, payes, d'accord. tu payes, bah, tu payes, Tu payes d'accord. tu payes leur tarif, parce que c'est leur tarif, hein. C'est pas dit que ça soit vrai, bon, bref, tu payes leur J'ai tarif. pas dit que ça soit le Tu médecin. payes leur tarif à eux, et puis voilà, et puis terminé. Hein. C'est, je sais plus, j'insiste, j'ai vu ça sur mon téléphone. Ah, maintenant, voilà. Ah, c'est en grève jusqu'au 2 janvier. Voilà. Allez, les enfoirés. Alors moi le mien, bah, si j'arrive à l'avoir, parce que déjà la dernière fois, bon, c'était pas si grave que ça, mais bon, mais bon, déjà la dernière fois, c'était à dire, comme là il travaillait pas, bah, j'espère quand même au moins une fois, ça c'est qu'une fois, l'avoir au téléphone, au moins une fois, parce que, à son répondeur, il doit, ah Il doit putain. y en avoir. Ah non, mais tu peux pas mettre de message. Puis de toute façon, Mais il. même plus, tu peux même plus mettre de message puisqu'il est bloqué. Non, 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 mais c'est pas ça. Tu peux pas mettre de message. Non, non, t'as Ça te même. dit Non, non, simplement. t'as le message qui dit. Et mettez pas le message, ça sert à rien. Bah, ça, voilà. Non, non. En plus, il a mis deux messages préenregistrés. Il a mis le premier où il dit le même baratin, ouvert de telle heure à telle heure, tous les jours du lundi du vendredi. Puis il y a un deuxième message qui dit qu'il peut plus prendre le rendez-vous parce que, avec l'épidémie qu'il y a et tout. Que le Mais secrétaire. bon, c'est qu'il est en grève, quoi. Puis en plus, le pire, c'est que. C'est, en plus, le pire, c'est que le secrétaire, quand tu les entends bien parler sur le message qu'ils mettent, elles-mêmes tous, hein, elles-mêmes sont malades. Donc, Ah voilà. ouais, d'accord. Elles-mêmes sont malades. T'en as une sur. Je sais plus quel médecin que j'avais appelé pour voir si c'était ouvert. Elle avait même ses points rangés ou. Ceci. Alors, si les secrétaires sont malades, bon, c'est même pas la peine. C'est que voilà. Voilà. Bon, bref. Ah bah là, tu sais, nos urgences, ils sont pas mieux. Hein. Ouh là là là. Le médecin qu'on a vu, là, il vient de la région parisienne.
midi, quand il arrive le matin, qu'il voit tous les médecins. Tous les malades qu'il y a. Oh là 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 là. Il est malade abandonné. Il n'a aucun moyen de rien. Normalement, je ne sais pas combien ils sont doubles. Enfin, de médecins, de malades. Mmh. Normalement, ils doivent accepter que je ne sais pas combien et ils en acceptent le double. Bah ouais. C'est pas normal. Bah non, non. Toi, t'y peux rien. Hein, hein? Toi, t'y peux rien. Ah non, non, mais je... Non, mais je te dis pas le contraire. Et encore, on est arrivé, il y avait personne. Ah bon? Il y avait personne. Bon, j'y vais parce que... Je suis pas mal.
Oui.
Il y a de... Ouais, encore un petit peu.
putain. Il y a un saleté là. Il y a un saloperie. Hein. Où est saleté? Où est saleté? Hein? Il est où? Il est où? Oula! Attends, et où toi? Eh merde. Mm-hmm.
Oh putain. Ah non, on est pas. Putain. Attends, mais c'est bien ou quoi? Mais je l'ai fait, je suis venu à 5 mètres de distance. Blague. Je l'ai fait. Et comment tu veux que ça marche à 5 mètres de distance? Je l'ai fait. Je viens de le faire. Hein. Mon petit pote là. Petit pote là. La partie après j'arrête. Mais non. Mais non plus. Mais non, mais. Mais non, mais. Mais non, mais. Comment pouvoir les. Mais non plus. Mais non. Mais non, mais. Mais non plus. Ah, là, je suis vraiment pour aller.
Ouais. Attends, une seconde. Et après j'arrête, je me dis. Oula! Eh merde! Ah putain! J'aurais pas dit, puis il se pose. Ouais. Hop.
Tac. Mais c'est qui t'a tenu des patients, tu es quand même. Oui.